Moi, j'étais vraiment contente parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu envie d'aider les enfants et toutes les personnes. Donc, du coup, ben, quand on m'a dit que c'était pour l'UNICEF, j'étais vraiment contente et je suis fière de pouvoir aider l'UNICEF avec les Kids United. Moi, avant de commencer avec l'UNICEF, bah, je me rappelle que quand j'étais petit ou même quand j'étais grand, on va dire, enfin, je suis pas très grande. Mais bon, quand de ma petite vie, ouais. Bah, à chaque fois qu'on me posait la question, ouais, si t'as beaucoup d'argent ou t'as une possibilité de faire quelque chose de bien, bah, enfin, tu ferais quoi? Et du coup, moi, je disais tout le temps que j'aiderais tout le monde dans le monde entier, que ce soit les enfants et les adultes. Et là, l'UNICEF nous a donné une opportunité de pouvoir faire quelque chose qu'on veut tous faire, du coup. Et on est parti visiter des écoles, des orphelins, et des orphelinats, pardon. C'est ça, ouais. Les orphelinats, et du coup, c'est vraiment magnifique. Et on a pu parler avec eux, ils ont pu nous expliquer un peu leur vie, et ça nous a fait apprendre beaucoup de choses. C'était magnifique. Donc, on sait, du coup, on est allé au Liban, on est allé au Maroc. Du coup, au Maroc, on est allé dans un orphelinat, on a rencontré plein d'enfants, et on a pu jouer avec eux, leur parler, et puis on a aussi tourné un clip avec eux. Et ensuite, au Liban, on est allé voir des enfants syriens, des réfugiés. Et c'était vraiment cool, on a pu leur parler. On est allé aussi dans un club de sport pour voir aussi des enfants. Et voilà. Et là, récemment, on est allé à l'ONU, du coup, pour chanter pour les 60 ans. C'est incroyable, c'est un rêve qui se réalise. Déjà, de pouvoir aller à New York et aussi de pouvoir aller à New York pour l'UNICEF. Pour l'ONU, et ben c'est vraiment incroyable. Je pensais jamais que j'allais partir à New York pour l'ONU. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'était qu'en fait à l'ONU, en fait, c'est les enfants qui faisaient le show, quoi. Ouais. C'était les enfants, c'était Millie Bobby Brown, je pense qu'elle s'appelait. Ouais, celle qui animait qui présentait l'événement. C'était vraiment magnifique parce il y avait des gens de partout, en fait. Il y avait des gens qui avaient des problèmes en Syrie. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Mustapha. Et ce petit garçon-là, bah, il y avait la guerre, en fait, en Syrie. Du coup, il a dû marcher de Syrie jusqu'en Allemagne pour se réfugier. C'était bien ça, l'histoire. Ouais, et il avait perdu toute sa famille. Il a pas marché de Syrie jusqu'en Allemagne. Non, ce serait très bon. Non, mais il a beaucoup marché en tout cas. C'est vraiment énorme parce que quand on a des gens comme lui là, c'est vraiment chiant. Ouais. Tous les histoires, mais en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, elle a présenté en quelque sorte la soirée qu'on a fait. Qu'elle a un an de plus qu'Erza. Ouais, elle est super naturelle. Ouais. Et on dirait qu'elle a 20 ans, les manières, ouais. Genre comme une interne. Je sais pas. Même, when she speaks, she's like, oh, my. Elle a vraiment les expressions de. Ce qui est cool, c'est que l'UNICEF, ils ont vraiment donné la parole aux enfants pour cette cérémonie. C'était que les enfants qui présentaient, qui parlaient, qui chantaient. Et voilà, c'était assez incroyable. C'est tous les pays. Inscris-toi sur le site MyUNICEF. Pour aider les enfants, pour que les enfants du monde ont les mêmes droits que toi. Et que tous les âges et tout le monde peut aider l'UNICEF. Il faut qu'ils se mettent à la place des enfants qui n'ont pas les mêmes droits que nous et pour qu'ils réalisent, en fait, pour qu'ils réalisent la situation. Parce qu'on s'en rend pas vraiment compte, mais au final c'est facile d'aider, que ce soit 1 euro ou même 50 centimes au final, ou même un mot, un geste, voilà, c'est même facile. Même un sourire, exactement. Ouais, c'est après, facile d'aider. T'as la sensation. Tu voles, quoi. T'es content. T'as aidé un enfant, tu te sens bien. Et voilà. On est fiers. Ouais, t'es fier. Ouais. Imagine, elle représente bien la paix. Oh.
someday.